On part donc sur cette première game de cette grande finale. Spectral Oxys, petit champ de bataille, un terrain qui va plaire absolument aux deux joueurs grâce à leur capacité de ladder. Et on y va avec une agression immédiate de la part de Evolt, hein, qui va du coup trouver cette dash attack et ce up air. Ou ce up B là qui était malheureusement un petit peu aventureux, qui va se faire punir. Mais l'extend n'est pas trop poussé hein. Du côté de Spectral, les deux joueurs se cherchent, ils se tournent autour et on va trouver cette bombinette hein, qui va permettre à Spectral de faire monter un petit peu les pourcentages en son avantage. Le back air, Captain Falcon hein, qui a raté le grab et Volt hein, qui cherche un petit peu d'options. Il va trouver le up air malheureusement et Spectral va réussir à esquiver le deuxième et éviter un combo ladder qui aurait pu être dramatique. Et on va trouver ce Zerin to Fair qui remet les Evolt dans une situation un peu précaire. On va pas réussir à trouver le nerf. Et la bola, le bola zère, et on va trouver le neutral air maintenant, c'est... Ouh, la petite bola en couverture, est-ce qu'on va punir? Mais bien sûr qu'on va punir avec un back air. Cette recovery un petit peu téléphonée hein, de la part de Evolt. Seulement 70% pour la part du joueur de Samus. On me demande de dégager immédiatement en plein milieu du switch, du set. C'est pas très très sympa tout ça. Je laisse ma place à Juni et à K1. Passez une bonne finale à tous. La cage, on est de retour. Le duo de délinquants comme on l'appelle. Le duo de folie alors que on prend cette grande finale au pied levé, hein, vraiment mon cher Jean-Baptiste. Merde, je casse tout. Bah, écoute Vincent, comment ça va cette soirée? Mais pour l'instant ça se passe pas mal. Écoute, ça se passe pas mal, même si non en fait il y a que du positif dans cette soirée. Bah super. Bah, j'allais résumer, j'allais commencer à raconter que il s'était fait upset avant le top 8 en winner, etc. Mais on s'en fout, tout le monde le sait déjà. Qui? Spectral. Ah oui, Spectral, tout à fait. Spectral qui se fait upset en jouant d'autres personnages. Joker. Alors, jouer d'autres personnes. S'il y a un quelconque raisonnement à tirer de ce résultat, sachez que vous êtes de très mauvaise foi. Ouh, très bonne Erdl sur l'abdi de la part des Volts. Okay, il va mourir. Mais du coup, déjà une stock d'avance pour Spectral. Le jab, le gentleman jab, le 1-2-3. Pour la stock à 180, parce que Samus c'est plutôt lourd. Plutôt lourd parce que elle avait globalement besoin de ça dans son arsenal, oui, je pense. Ce n'est que partie remise. Je pense. Et pour le coup, Spectral qui doit pas être super client des. Tiens, en tant que gros joueur, il doit pas être super client des confiances de Falcon, tu vois ce que je veux dire? Il doit bien y faire gaffe. Ouais, effectivement. Effectivement, un personnage en fait à la fois flotty et lourd. Vraiment le meilleur des deux mondes finalement. Putain, la chance. Hein. J'adorerais être. Avoir soit le poids, soit la flottinesse de ce personnage. Ouh, alors que Spectral. Non, Spectral. Là, tu vois, il aurait pu tenter, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais il est très bon à ça, à faire des downers en tout frame. Mm. Enfin, tout frame, à travers le stage. Enfin, tout frame. Tout. 32 frames, mais après, voilà. Cela dit. Oh, ok, bien vu le flying up air. On se la joue en plus. Ok, cool. excellent. Et Evolt, par contre, qui est la stock, hein, quand même, hein, qui dose. Ok, bien vu. J'en parlais tout à l'heure, Evolt il pensait pas être quelqu'un qui puissait beaucoup les spot dodge, genre c'est une défense de Falcon, tu vois. Et là, il prend une stock à 80 alors que la celle d'avant il a galéré avant. Enfin. Ok, bien vu la bombinette, encore une fois hein, pour aider le médiocre désavantage de Samus. ce n'est que de bonnes guerres hein, vraiment, avait besoin de circuler. Ok. Oh, ils savent pas tuer. Mais attends, mais Evolt il va peut-être le faire là-dessus. Il a compris un truc. Il est mort de faim. Ok, par contre, Spectral arrête pas de. Choper c'est alors là attention, c'est le mini-jeu. Oh, ah c'était mignon ça. C'était pas mal ça. C'était mignon, un peu gratuit. Cependant mignon. On a une caméra qui bouge. Non mais c'était bien parce que tu vois genre Spectral a eu l'intelligence de mettre deux bombes pour couvrir toutes les options. Ouais. Après, et à partir de là, il a réagi à neutral get-up avec un petit missile qui a confirmé dans un back air qui était un sour spot mais qui n'a pas empêché d'arracher la stock à 90. Joli. Je voulais parler d'un truc sur le jeu des Volts et j'ai complètement oublié en fait. Ok. Bah, super. C'était inintéressant possible. Ça va le chat du coup. Tranquille. Bah écoute, NRG j'existe aussi, mais c'est sympa, c'est intéressant. Bah, Abid, c'est... merci mec. Oh là là, mais on a vraiment le sang, le maximum sang de chaud. 85 viewers, c'est ça. 85 viewers, tout ça pour voir des bombes au ledge qui vont courir toutes les options. Ah oui, je parlais du fait qu'il ait chopé le saut super facilement en double saut, c'est quand même Samus a l'avantage d'avoir. Tu sais, il y a pas mal de persos qui ont une option pour stuff les sauts, les doubles sauts. Mm. En fait, Samus, elle a quand même
la chance d'avoir un fer qui dure pas mal de temps, tu vois, et qui fait en gros, en plus, en gros j'ai deviné juste, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un timing ou je sais pas quoi, juste tu manges. Et là c'est ce qu'il a foutu au stage et bah tu... Et après, après fin, ok, bien vu. Oh, il veut du sang, Spectre. Oh, bien vu, le last hit de son up B qui a reset l'edge guard. Est-ce qu'il était pas mort? Ah, je pense qu'il était... Il était... Non, je pense pas qu'il était mort parce que... Le B quand tu le fais comme ça de dos, il y a vraiment voilà tu vois cette on a l'impression que ça va pas grave mais en fait ça grabe. Oh, okay. Okay. On va trade le back air, le up tilt, pas un trade des plus intéressants si tu veux mon avis. Et là-dessus là ça fait peur. Okay. Spectral qui fait peur. Oh, on a tenté de d'armure à travers ce neutral B mais ça n'a pas marché. Et là un autre petit kill move de la part de Samus. Et Evol qui a bien changé le style de jeu, tu vois, il est plus en avantage, il l'attend plus. Et ça plus de finir l'option 2, et enfin en gros ce qui lui donnera plus de reward et... Ah là il avait un truc... Ok, aïe aïe aïe, oh ça va reset sur la plateforme. Ok non, bien vu, bonne DIY Devolt, il connaît hein, il connaît ses ladders. Ok, bien vu le Don B en désavantage, une option qu'il utilise avec parcimonie finalement, donc du coup c'est pour ça que ça passe. Ok dommage, bien vu Spectral là qui s'est couvert lui-même. Ok, quel enfer pour Rico à chaque fois. Ah et là on a voulu une fois être agressif et c'est la mort. Non, très bonne Rico, ou alors un Spectral qui a raté de peu son Ok là on a plus de saut par contre, on a plus de saut mais on va se courir avec un backer. Très bien. Backer offensif, ouais, quand tu peux Rico après quoi. Ouais. Ok et là c'est le moment où on où vraiment les Samus aiment bien montrer la leur tout puissant set play. Ah c'est ça, c'est la phase qui un peu intérêt pour en gros genre hey, regarde j'ai le lead, si j'ai envie d'approcher j'approche pas. Ça a permis de te faire perdre patience à Evolt et ça a bien marché. Et je peux aussi faire un jab 1 sur ton shield et là. Et là qui sait ce qui. Bien malin qui pourrait dire ce qui va se passer ensuite. Joli backer de. Ok, upper et là. Ok bien vu, on va crackdown avec le fer. Upper. Ok. Falcon qui a pas l'air de trop prendre les ladders. J'ai l'impression qu'il est soit trop fast faller, y a moyen. Soit trop lourd. Heureusement. Parce qu'il y a des personnages qui se font 0 to death, je crois, sur les plateformes. Peut-être pas sur SBF. Ouais, peut-être pas. Ah, quoique. Bah, après, elle a besoin d'une plateforme, je crois, pas des deux. Ouais. Allez, B, on est frappé. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la neutrale des Gettle de Samus. Ouais. Gars, bien joué. Beaucoup de paires qui sont en combo, hein. Même sur Samus, hein. Pour le coup, ça ne sort pas de ça. Ok, bien vu, on va suivre la tech. Et là, bien vu, on a vu, on s'est adapté à la Ricolo de Evolt. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Pas de ledge trap, du coup. Ouais. Mais ça a pas marché cette fois-ci, mais attention, si Evolt ne varie pas sa recovery, ça pourrait tourner au vinaigre. Et bien joué la patience d'Evolt. Ok, bien vu, et là il n'y a plus de saut, et il n'y a plus de saut, est-ce qu'on va réussir à punir? Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage, comme dirait Big Flo et Ellie, parce que là, on n'est pas passé loin de la mort. Parce qu'il avait la bonne ride, hein, il avait couvert les options. Ok, mais qui est Spectral qui... Ouh, aïe, aïe, Spectral là qui a fait un... J'avais juste envie de bouger un peu, tu sais, genre Zer, Cancel, Wall Jump, je sais pas quoi. Attendez, je deviens trop technique. Et il repart sur ses bombinettes. Bien joué. Les 10% notamment. Ah là, ce serait bête qu'une up throw ça tue. Il a pas de rage. Ok. Et là, c'est le 0 to death qui part pour Evolt. Sur ce Kawan. C'est marrant, ils ont presque la même dash attaque. Ok. Attention. Ouah, c'était triste. Ça aurait pas tué, non? 40 avec la rage, ça tue. C'est Samus, hein. Pas sûr que ça tue, mais ça l'aurait mis bien dans la sauce, je pense. Ouais. Allez, Spectral, pitié. Les joueurs toulousains qui demandent pitié à Spectral désormais. C'est comme ça que allez, ça se passe. Spectral, pitié. Attends, c'est moi ou ça met 22% la dash attack de Falcon? Non, c'est toi. Pas possible, ça peut pas mettre 22%. Il était pas à 0? Non, il a pris un air, je crois. Ouais, t'as raison. Un truc comme ça. Ouais, t'as raison. Il était pas à 0 100%. Il a pris genre, ouais, l'air depuis le ledge, un truc comme ça. Je suis stéphanois, pas toulousain. D'accord. Ah bah, ça change tout. Ça change tout, désolé pour de la toi ville, mon pote. Désolé, hein, donc habitant de la ville de Stéphane, merci à toi d'être Stéphane. Ok, allez Evolt dans le chat. Qui met la musique de Wind Waker. J'adore. Ok, bien, il a réussi. Non, ça c'est franchement c'est pas si facile à faire. Ouais. Pas si facile à faire de Wish Pony. Frère, il était sur la deuxième plateforme. Bah c'est bon. Ok, bien vu. Ouais, dans le faux backer. 57 et là on a plus mort. Rien. Il est pas mort mais, okay. Mais les problèmes. Ok bien vu, on va le grab. Oh, c'est bien. Il le trappe quand même. Spectral qui lâche rien. Et joli, c'est pas très beau backer. Ouais. Et bien franchement ça c'est une très grosse force de Spectral. Okay. Hein, pour le coup c'est son avantage state. En edge guard si jamais t'as fait une erreur tu reviens plus. Hein. Genre il y a des trucs faciles avec son perso mais déjà il les fait très bien. Ah oui. Et il les rate pas. Et il les rate très peu. Mais par contre 0 to death pour 0 to death quasiment. C'est ça.
Et ouais, quand il y a du dépassement de fonction, bah, comme les drop bear, il le fait aussi très bien. Il utilise très bien le backer de Samus, ouais. Ça c'est rare de voir des Samus qui retournent la dalle. Ouf. Oh là là là. Et triple troisième de Rock to Death. C'est que ok, et Volt. Oh, et Volt. En vrai, Spectral, là, si tu es un chouette type, tu le laisses le 0 to Death également. Mais y a pas de. Tu le laisses, genre c'est ton tour, c'est tout. Ouais, c'est à toi. Ok. Ok. Ok, okay. Mais attends, mais. Oh non. Non, Spectral. Spectral. En vrai, bannis. Les modos, vous le bannez. C'est mort. Ok, ok. Ah, c'est dommage. Finalement, tu nous disais que Evolt arrivait à bien tout frame les recovery, donc peut-être que celle de Samus. Après, celle de Samus, ça a quand même pas mal de. Le problème, c'est qu'il a trop de mix-up. On parle vraiment dans la condition où genre il a grillé son saut et il est obligé de B à la verticale, tu vois. Ouais. C'est quand même assez rare. Mais juste dans les moments où ça arrive, je pense que ça vaut le coup de tenter, tu vois. Ok. Apporte la musique vraiment qui nous met bien, effectivement. Et là, Spectral, tu vois, il donne l'impression de faire une option dangereuse, c'est-à-dire faire. Il était à combien avant le Macar? Je demande pour Kawan. 4. Il s'est pas 60. Fait grave à 70. Ah non, 78, ok. Non. Ah, ok, 87. Oh, ça ouais. Va, 87. Ça va, c'est quoi 87? Oh, tout le grab, il a pas de reward. Il faut bien qu'il ait un truc, tu vois. Il a explosé. Après, je crois qu'il a DI bien in sur la down throw. Oui, bah en même temps, faut dire que la down throw de Samus a pas non plus beaucoup de hit lag. Hein. C'est vraiment. Boum. Oui, mais tu react au fait, peut-être fait grave, je sais pas. Oui, oui, mais. Ah, en vrai, c'est un peu comme les throws de Joker, hein. Tu sais, t'es au ledge, t'as pas envie de te Joker, c'est genre vraiment, il te chope jet, tu vois. Alors là, t'as. Tu vois, enfin. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Après, il dit que Samus, c'est pas top tier. Bah, il a tort. Il est d'extrême mauvaise. Je sais pas si c'est top tier, mais il y a des arguments. Des arguments. Ok, pour l'instant. Okay, par contre, vraiment le setplay de Spectral quand même ouais. Excellent. Ok, bien vu. Oh là là, heureusement qu'il a Diane. Il reconnaît bien le fait que Falcon n'a pas d'autoshield en fait et il en profite pour mettre la pression et read l'option défensive ouais. Qu'il prend derrière. Ok, donne ce robacker encore une fois. Heureusement pour. Oh, ça a failli être la douille. Heureusement, très bonne recovery de Samus quand même. Le B qui n'est pas si mauvais quand même, même tout seul. Ok, bien vu, on a tenté de mettre un F-Smash parce que pourquoi pas. F-Smash de Samus très très rapide, hein, le plus rapide du jeu. Ouais. Ok, bien vu. Par contre, Evolt qui, même si Spectral est très très bon en edge guard, c'est dommage. Je pense qu'il voulait nid. Il voulait nid avec un drift in. C'est ce que j'ai envie de dire, vraiment par contre. Je pense qu'il voulait nid avec un drift in à mon avis. Et du coup, il a fait un back air. Putain, il est trop fort. Ok, bien vu. Evolt. Ok, belle dirée. Oh, là, il a voulu roll et derrière lui. Spawn. Ah, quelle erreur d'avoir voulu roll. Du coup, c'est 50% de prix là-dessus. Ok, Spectral qui arrive à l'end sur la plateforme, ça va très très vite. Hein. Ah, il a très très peu de lag sur ce nerf, il va mettre un jab directement pour stuff l'agression de son adversaire. Volk essaie de s'en sortir, cette fois il a recommencé à sauter à Dovshield. Ok, Samus, Spectral qui va pas se faire avoir là-dessus par ce up smash. Ouais, là, Volk qui donne un peu l'impression de taper en espérant que ça passe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah il le faisait bien jusque là, mais là Spectral a juste décidé de ralentir le jeu en fait. Clairement il a fait, bah écoute. J'ai le lead, c'est à toi de faire okay. Tes trucs. Donc, alors là, est-ce que c'était un back air ou un nid qu'il voulait faire avec un drift back? Je ne sais pas. La taille d'user par contre. T'es mal à taille d'user du coup. Hein. Okay. Là on a tenté la maxi de jeu, ouais. Trop, ça a explosé non ah, 100% avec de la rage. Ah ah. Non. Ouais, pour la science ouais. Vraiment. Ok, bien vu, on va réussir à stuff la charge du neutral B là-dessus. Ok, oh c'est dommage, ça aurait tellement pu être puni, je pense, assez violemment. Quelques imprécisions, peut-être du stress par des volts. Cela dit, en fait, l'avantage c'est que côté Spectral, c'est comme il fait quand même pas si souvent des options risquées. Tu vois, il les utilise vraiment à des mauvaises DI pour le coup. Les options de Spectral risquées ouais. Samus n'a pas des options de risquées. Non, mais du coup, les rares fois il les fait, tu vois, ouais. C'était un mix-up un peu, bah du coup, ouais. Tu réagis pas assez vite, tu bégayes et du coup, poubelle. Tu vois, là encore une fois, il l'a fait, il s'y attendait pas. Bazar, c'est pas risqué, mec. Bah depuis l'edge quand même, Rising Zer. C'est pas vrai, c'est quand même moins 2 hein. Ouais, c'est vrai que c'est moins 2. C'est une dinguerie. Ok. C'est la deuxième fois pour le coup que Spectral il arrive à casser le. Punir le Overextend. Mais du coup, Evolt qui s'est qualifié face à Oxyz, je viens de noter. Ouais. Evolt c'est la deuxième fois qu'il bat Oxyz. Ah. Il l'a battu à la Castagne. Ah non, je confonds. Si, il l'avait déjà battu, je sais plus quand. Ok. Non, mais il y a moins que sur la semaine dernière. Il s'est fait reset la semaine dernière. Il y a moins qu'il ait battu en winner. Ok, heureusement qu'on s'est pas fait avoir par ce petit missile. Oh, le jab de Samus, vraiment, c'est une dingue.
Ok, bien vu, on va réussir à punir le... Voilà, vraiment, un des petits défauts de Samus, c'est effectivement étant flotti, donc ça peut avoir plein d'avantages. Ça fait aussi que si tu whiff, parfois tu peux te faire punir si tu fais un whiff avec un ARL. Il va simplement le full stool, bien vu. Là, il est allé, enfin, il avait conditionné en fait, Evolt allait beaucoup trop bas. Mais il a trouvé la solution finalement, parce que plusieurs fois, il a vu que Evolt allait bas, et Evolt, il arrivait quand même à mix-up et à s'en sortir, et là, il s'est dit, bah, je vais te full stool. En fait, ta solution, c'est le ledge trap de base, enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es pas forcément obligé, là, ça lui... J'avais envie, tu sais quoi. Mais ouais, Spectral veut du sang, tout simplement. En plus, ouais, il a reconnu la situation, il avait. Vas-y, j'ai pas de risque à aller te foutre sous l'eau concrètement, donc je vais le tenter. Ouais, parce que la Rico verticale de Samus est quand même assez bonne pour pouvoir lui permettre de. C'est correct. C'est sympa. En patoche. Et on change de. On s'offre des petits plaisirs, on change de skin à chaque match côté Spectral. Spectral représentant de Bordeaux, on le rappelle. Le skin de Samus, c'est ça. Ouais, il est vraiment bien. En vrai, je suis très déçu qu'ils aient enlevé le Fusion Suit, je crois. Le violet ? Non, ça c'est le Gravity. C'est le Gravity Suit qu'ils ont enlevé ou ah, c'est le Fusion Suit ? Le Fusion Suit, c'est le bleu et rouge. Le bleu et rouge, mais il est dans le jeu. Ok, bah alors c'est le Gravity qu'ils ont enlevé. Oh, d'ailleurs, pour l'instant, ils se prend un peu la sauce. Ouais. En fait, là, les deux persos, enfin, les deux joueurs qui n'ont pas du tout les mêmes rewards en avantage, je me sentais. Il a du mal à trouver ses phases dans le jeu Evolt. Ouais. Alors que. Bah. Ok. Pourtant. Spectral, il met bien la sauce. Hein. Ouah, il avait read ce double jump Spectral. Heureusement, Falcon qui fast follower du coup. Est-ce qu'il le tue ? Voilà, et ça, comme tu l'as dit, hein, c'est Samus qui mange pas. Hein. Vous allez dire, pardon, je suis nul, Evolt. Samus ne mange pas les confirmes. Là, il a pris upper, on a cru qu'il allait succomber d'un nid. Il a bien vu, on s'est protégé avec la bouboule. On a shot dans la jambe de Falcon. Voilà, ouais, il a senti le. Evolt allait relâcher la pression. Et là on a le shot le plus dangereux, hein, le quasiment full chargé. Très peu de lag, ouais. Il trouve combo dans à peu près tout. Dans le grab, dans la dash attack, le back air aussi. Notamment le F-Smash. Pour Nancy, sérieux? Ah, F-Smash quand tu peux perdre deck, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas de problème. Ou le back air qui est aussi puissant que le F-Smash, je pense. Ok, bien joué. On tente un petit peu des punish. Ouais, y a beaucoup de hitbox préventive en fait. Ouah, alors que la dash attack qui va clank avec le down B. Il réagit très 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 vite, hein. Spectral vraiment, ouais. Et à chaque fois il change l'option qu'il va faire derrière son jab 1. Et il met une pression d'enfer. Ok, bien vu, complètement space ce backer, ça va pas du tout pour être punissable. Ok, est-ce qu'on va trouver un punish là-dessus? Non, on va tenter de faire un grab directement côté Spectral. Spectral qui abuse pas mal du fait que son adversaire rate potentiellement ses punishes. Là cette fois c'était pas une bonne DI non plus, mais bon, quand même 150%, c'est pas si honteux. Ok, bien vu, là on a DI correctement. Ouais, là il a encore changé son option, heureusement le jab de Falcon qui lui a permis de toucher là-dessus. Ok, on va jump away côté Evolt, on ne veut pas rentrer dans cette situation de set play complètement à l'avantage de Samus. Et là on a double sauté, on a plus rien, ça va être compliqué. Ok, heureusement. Vraiment, Evolt t'as l'air un peu paumé, tu sais. Il y a plein de ses coups qui ont l'air d'être des Elmarie, tu vois. Ouais. En mode, Inch'Allah ça touche et. Mais sinon. Y'a pas grand chose qui touche, faut pas se mentir. Moi qui utilise bien ses hitbox quand même. Ok, là il a juste grab, il a couru, il a grab le fer. Encore. Ah, mais c'est marrant, c'est dingue, hein, comme tu l'as dit. Et là par contre, il arrive pas mal à punir les landings de. Et au moment où je dis ça, il prend un back air. Vraiment, ferme ta gueule, Vincent, tout simplement. Ok, bon, là. Okay. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va tech. Ok, mais le upper, c'est bien en fait. T'as quoi? Il est retourné dans les profondeurs de Brinsar. C'est la musique. Eh oui. Mais du coup, j'allais dire qu'il arrivait bien à punir les landings de Spectral. Enfin, un peu mieux. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il punit avec des uppers. Le upper, ça va jamais tuer Samus. Ouais. Avant, je suis formel. Ok, par contre, il se fait plus toucher par les chercheurs depuis un moment. Donc bah écoute, Spectral va varier, tout simplement. En faisant il est pas. C'est la troisième dash attack mal dié, je crois. Tu l'as dit. Tu vois, à chaque fois il est sur le lac d'un grab. Ouais. Peut-être qu'il était en train d'input un truc, je sais pas. Oh là. On a arrêté de rolling sur les backshave à 1000%. Ok. Ok, c'est quoi, on a DIE. Ouais. On a voulu DIE in côté Spectral et ça mess up le combo. Et là il est mort là. Ah, okay. Belle attente, wow, il a pas son airdash, c'est vraiment bien joué de la part de Evolt, très patient. Ouais, pourtant les deux joueurs ont été patients, hein. Ils se sont dit ok, là il est dans la merde, j'attends son airdodge, l'autre a dit c'est que je suis dans la merde, je ne fais mon airdodge. Et là,
C'est compliqué, c'est vraiment délicat. C'est compliqué, mais avec Upper, upper, double upper, et non, il va pouvoir air dodge. Oh là là, j'ai cru que ça allait être une autre DI soudanaise là-dessus. Ils adorent mal DI les dash attacks, ces deux joueurs. Ah, bien joué. Oh non, il a mis Slim Boot. Ah, une option, c'était dead de chez dead. Oh, 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 oh. Oh, ok, 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 ok. Ça, ça trade. Oh, oh, ça tue. Ça tue. Tu sais que j'ai cru que c'était Evol qui allait mourir d'une nerf, mais de l'autre côté. Ouais, ouais. Le braquage, marre, mais... Tout ça qui part d'une, d'une Miss Input de Spectral, ou alors... Ouais, un reverse super ou alors... Ou alors... d'une... Oui. D'une... Un acte de bonté, peut-être, de Spectral, qui a fait... Allez, dégage. Pour le suspense. Ouais. Non, il voulait peut-être le tuer en ledge trap. Ouais. Bah non, pourquoi il allait dehors, alors? Non, mais tu sais, avant, il a raté. Il a fait une up throw. Il aurait pu faire une up throw, c'est ah, cool. Oui, d'accord. Bah, Missim, pour moi, clairement. Ouais. Enfin, de toute façon... On... Est-ce qu'on pourra le savoir un jour? On peut lui demander. Excuse-moi. Tu peux le chercher? Ouais, excuse-moi. Non, mais dépose, dépose, qu'est-ce que... Oh, ouais, bah du coup, gros reverse. Super audacieux. Oh, yo, yo. Et le counter pick. Hein? J'aime trop dire ça. Alors, en fait, il a juste pris Dark Souls. C'est, c'est trop marrant. Alors, en vrai, peut-être qu'il y a une raison. Si, en vrai, il y a peut-être un truc. Peut-être que comme le. Ouais, comme le Sharkshot touche plus bas et que Evolt choisit souvent de prendre les bombes dans la gueule. Peut-être que bombe Sharkshot ça marche mieux si tu prends Dark Samus. Alors ça je sais pas du tout. Ouais oh, il est mort. Je pense que c'est juste match-up dépendant. Ouais, il est vraiment mort. Parce que le nerf de Falcon a déconnecté sur Samus. Voilà, circuler, y'a rien là-dedans. 20%. Ah il est mort là. Oh dommage. Et en fait ça c'est un truc avec Samus aussi, genre elle peut, à chaque fois elle peut terminer. Comme elle est un peu flottie, tu vois, elle va pas l'end avec le lag de son coup. Ouais. Elle, a, elle peut air dodge juste avant, tu vois. Et ça rajoute une layer de mix-up. Ouais, layer, tu vois, genre une couche de mix-up, ouais. Finalement. Un petit peu comme les couches de l'oignon, finalement. Ceux qui ont regardé Shrek. Oh oh oh. Putain, pas tant de mal que ça. Faut pas qu'elle a un petit air un petit peu dédaigneux, méprisant quand elle fait son missile, Samus, elle fait genre. C'est... Tiens. Un Dark Samus. Ah dommage, peut-être qu'il y a un double saut, ça aurait été trop. Mais Samus elle fait genre ah comme ça là. Dark Samus en mode dégage. Ouh, on a peut-être voulu punir une spot dodge. Ouais. Ça a rien marché là-dessus. Ouais, ça met une telle shield pressure en vrai le missile, c'est très grave. Ok, okay bien joué. Vu, bien vu, bien vu. Ça a touché. La hitbox généreuse hein, quand même d'Uni. Mais on va prendre côté Evolt. C'est cool de devoir trouver ça parce que c'est pas le joueur qui trouve le plus de Nermi, alors que c'est un peu le concept, enfin tu sais, avec le Stampy, un des concepts de base de Falcon. Ouais. Mais du coup, il trouve les. Oh, bien vu, on va couvrir l'espace avec ce nerf là. Okay, what the fuck? Ouais, il a fait un. Tu peux plus facile. Depuis Smash 4, ça, tu peux faire plus facilement des Ledge Trump avec le Taser. C'est un taser. Tu fais, genre, tu te retournes à. Tu te retournes les airs, ouais. Tu te retournes en drop ledge, c'est ouais, tu fais un rare Zer. D'accord. Et quand tu rases, tu sautes pas. Bon, écoute, tu m'en demandes trop. D'accord. Voilà. C'est bon? Ouais, ça me va comme. En fait, si il fait un mini saut, tu le vois pas, mais le saut est un instant cancel par le grab du ledge. Bah, car encore une fois, très bien space. Ouais. Ok, là on va tout simplement. Et Spectral, par contre, n'abuse pas du tout du Bad of Shield. Je l'ai pas vu en faire un seul. C'est vrai, ouais. Alors que là, par exemple, tu vois, il a pari un back air ou un dare, il aurait pu très clairement. Aïe 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 aïe. Wow, double nerf, double der là-dessus. Laisse le partir, laisse le partir. Spectral qui a envie de rentrer chez lui. C'est bien. Ok, attention là-dessus. On va voir. T'as vu encore une fois là le B, mon ref. Ouais. Mais je pense que je t'ai dit, il s'attend. En fait, il y a peu de personnes qui peuvent faire ça, tu vois. Genre, faire une option, genre, je varie, je fais une option un peu risquée, mais j'ai quand même le temps d'air déjà avant la fin. Bon, il a pris les deux hits du zer, il a pris 160. Cool, et là, encore une fois, pas de B. Spectral qui fait peut-être un challenge. No up B. La seule Samus du monde qui préfère up smash que B. Ouais. Evolt avait l'air sceptique dans la player cam. Parce que regarde, là en fait ce qui s'est passé. En fait il a jab derrière lui. Ouais, ça joue cette play assez de manière assez sage. Tu vois, et là tu vois, ça va taper. Paris, il jab et en fait c'est le back hit. Il voulait pas cross up. Ce qui fait sens parce que t'as pas d'intérêt à cross up Samus quoi. Quand tu fais un truc pas si laggy, tu vois. Non. En shield, je parle vraiment en shield. Ouais. Oui, parce que le B touche pareil des deux côtés. Exact.
C'est par ça que tu disais ça, j'imagine. Exactement, mec. Putain, mais... Allez, c'est rien, Evolt. Le mec s'y connaît vraiment dans le jeu vidéo. Merci. C'est rien, Evolt. Moi, je pense que c'est quand même un peu. C'est pas rien, parce que c'est quand même 2-1, donc c'est qu'il se fait quand même. Et puis, il a pris 3-0, donc ouais. Il se fait quand même un peu casser la gueule, quand même. Mais... Je vais pas jusque-là, je... Mais il se défend. Il se défend. Gunstroner. Ok, bien vu la roll. La roll, c'est vraiment bien. On aime bien roll derrière Samus, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut punir. Son grab. Il a raté le punition, le grab. Il punit pas assez les grabs, c'est marrant parce qu'il est tout le temps en train d'essayer d'être dans sa muse, tu vois ce que je veux dire, ouais. Et par contre, dès qu'il y a un grab, Spectral il s'arrange pour même si ça whiff, c'est des moments où il est un peu long. La sauce. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, s'il mourait là-dessus. Qu'est-ce qui te fait rire en temps? J'adore ce qu'il... Il a pris une autre balle dans le shield et déjà qu'il avait plus de shield, il était négatif. Du coup, il a pris un grab dans la gueule. Ok, ah, il avait le downer, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. JB qui connaît mieux, c'est confirme que. Oh, alors là, par contre, cette stock là, c'est trop. Hein. Cette game, c'est trop. C'est le problème. La game de trop. Ah, là, il commence à faire un peu n'importe quoi. Ouais. Je reconnais hein, cette situation. Ces closers, faut respecter parce que c'est hyper dur à intercepter si t'as pas. Une box qui dure. Ouais, surtout qu'il le rétracte instantanément. Et là, il prend une sauce monumentale le Evolt. Ça va casser la gueule, là. Ouais. Je devrais prendre 10 000. Guinness, c'est rien. Ouais. Je pense que c'est quelque chose. Ah, Spectral qui ne veut pas nous offrir une Game 5, il le refuse. Ouah, qu'est-ce que... Ça fait mal, cette histoire. Hein. Gunstroner, en plus, genre... Pour le coup, le hit sound des coups de Samus est très réussi, je trouve. Oui. Vraiment, enfin, pourtant, elle te tape. Ok. Bien vu. Moi, je trouve ça très frustrant, du coup, parce que t'es là, genre, putain, est-ce que ce zoneur vient vraiment de faire 20% avec un air? Et en plus, t'entends. Je sais pas. Ouais. Mais en tant que joueur de Samus, ça doit être un gros kiff. Là, Ok, attention, un braquage, il va en falloir deux. Parce que là, Spectral avec une stock d'avance, je pense qu'il veut vraiment du sang, là. Il veut finir. Et Volt en fait il est tellement sous pression en permanence, tu vois, que du coup les occasions qu'il a de punir, et il bégaye un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était bien tenté ce nid parce qu'en fait t'es obligé de prendre un peu toutes les options de tuer tôt que tu peux dans cette situation là. Et à chaque fois il rate ce timing de neutral get-up. J'ai l'impression qu'il est pas habitué à la neutral get-up de Samus qui est assez rapide en fait. Oui. L'animation. Mais je pense en fait il a surtout peur du drop fair, tu vois. Ouais, oui, bah oui. En fait, vu que t'es toujours un peu en train d'attendre ça, t'es pas forcément OP à réagir à une autre get-up. Et au moment où on dit ça, il a... Okay. Oh, grab. Jivil, je plisse les yeux là, donc tu me dis s'il y a une 5ème game. Mais... Y'a une game 5 ou pas là? Je vois pas. C'était bien parce qu'il était perpendiculaire parce qu'il à Falcon. Vraiment, il était vraiment sous le dernier. Il était perpendiculaire à Falcon, mais en fait, par des effets de drift, il a réussi à se mettre parfaitement au-dessus de Falcon, ouais. Ce qui fait que la hitbox me paraît tout à fait legit. Ouais, on n'a rien à dire, de toute façon du côté ça a été tué aussi, on a qu'à dire pas quoi. Bah écoute, super. Je pense que de l'autre côté, il y avait moyen que ce soit intécable même, de mon avis. Non, parce que tu vois, il n'y a aucune situation où quelqu'un a fait ça un jour et tout le monde a fait c'est un accident. Arrête de rager ça. Il innove, c'est en fait... Je rigole, c'est vrai. Un artiste, ok. Non, en vrai c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, cool. J'aime bien. Non, en vrai, c'était une très belle grande finale pour le coup.